Mouvons vite et chantons. C'est nous, les Patapons. Un lapin, mignon comme tout, ne sait pas quoi manger. Une carotte ou un chou, il ne sait pas se décider. Ce petit lapin est incertain et ne sait jamais ce qu'il veut. Il peut rapidement changer d'avis, par là ou par ici. Aujourd'hui, il aimerait bien jouer avec l'un de ses amis. La petite poule ou bien le furet, il ne sait pas avec qui. Ce petit lapin est incertain et ne sait jamais ce qu'il veut. Il peut rapidement changer d'avis, par là ou par ici. Pour la sieste, point de décision, il se demande où dormir. Sous un arbre ou dans un buisson, il ne sait pas quoi choisir. Ce petit lapin est incertain et ne sait jamais ce qu'il veut. Il peut rapidement changer d'avis, par là ou par ici. Maintenant, il aimerait bien partir se balader. La forêt ou bien le jardin, où peut-il bien se promener? Ce petit lapin est incertain et ne sait jamais ce qu'il veut. Il peut rapidement changer d'avis, par là ou par ici. Mais pour les câlins à ses parents, là il n'hésite jamais. Son papa et sa maman, il aime les deux et ça il le sait. Dans la forêt, un hibou dans une cabane se reposait. Mais l'on ne sait pas du tout ce qu'ici il faisait. C'est le hibou passe-partout qui se pose n'importe où. Très malin et coquine, le trouverez-vous? Caché dans la boîte aux lettres, on ne devine que ses yeux. Quand va-t-il réapparaître pour qu'on le voie mieux? C'est le hibou passe-partout qui se pose n'importe où. Très malin et coquine, le trouverez-vous? À l'intérieur du moulin, c'est encore plus rigolo. Il peut voir tourner sans fin les ailes vues d'en haut. C'est le hibou passe-partout qui se pose n'importe où. Très malin et coquine, le trouverez-vous? Quand il n'y a plus de feu et en toute sécurité, l'hibou est vraiment heureux dans la cheminée. C'est le hibou passe-partout qui se pose n'importe où. Très malin et coquine, le trouverez-vous? Lorsqu'il peut se faufiler tranquillement dans la voiture, voir la nature défiler, c'est toute une aventure. C'est le hibou passe-partout qui se pose n'importe où. Très malin et coquine, le trouverez-vous? Petit hibou voyageur aime tous ces beaux endroits, mais son arbre est dans son cœur, qu'est-ce qu'on est bien chez soi? C'est le hibou passe-partout qui se pose n'importe où. Très malin et coquine, le trouverez-vous? Chez moi, ici dans ma ferme, tu ne trouveras aucun pachyderme, mais plutôt des vaches, des petits cochons, beaucoup de canards et de jolis moutons. Bienvenue chez nous, venez les copains, on va s'amuser, donnez-nous la main. Bienvenue chez moi, là sur mon bateau, hissez haut les voiles, je suis matelot. Partons en pleine mer, pêcher des poissons, des
destination lointaine jusqu'à l'horizon. Bienvenue chez nous, venez les copains, on va s'amuser, donnez-nous la main. Bienvenue chez moi, là dans ma cabane, au cœur de la forêt, loin de la savane. Regarde le chasseur, il vient par ici, alors si tu as peur, tu peux rentrer aussi. Bienvenue chez nous, venez les copains, on va s'amuser, donnez-nous la main. Bienvenue chez moi, sur mon beau poirier, je chante à tue-tête pour le gentil fermier. Mon ami le bouc, lui préfère manger et sans m'écouter, continue de brouter. Bienvenue chez nous, venez les copains, on va s'amuser, donnez-nous la main. Bienvenue chez moi, dans mon potiron qui est entouré de beaux champignons. Pour le visiter, mieux vaut être petit, gros comme un furet, tu auras des soucis. Bienvenue chez nous, venez les copains, on va s'amuser, donnez-nous la main. Bienvenue chez nous, venez les copains, on va s'amuser, donnez-nous la main.
Un monsieur crocodile se dandinant devant une poule se montra charmant. Ce monsieur aurait bien aimé la manger, mais pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait? C'est un crocodile vraiment très docile, un gentil croco bien comme il faut. Jamais de bêtises ce croco-là, bien élevé et tendre comme un nougat. Monsieur crocodile croisa cette fois Madame Grenouille venant des bois. Il pourrait elle aussi vouloir l'attraper, mais préfère la regarder sauter. C'est un crocodile vraiment très docile, un gentil croco bien comme il faut. Jamais de bêtises ce croco-là, bien élevé et tendre comme un nougat. Au bord d'un sentier marchant gentiment, Monsieur Crocodile vit en passant une tortue et son air délicieux, mais une fois de plus garda son sérieux. C'est un crocodile vraiment très docile, un gentil croco bien comme il faut. Jamais de bêtises ce croco-là, bien élevé et tendre comme un nougat. Comme tombé du ciel, il aperçut alors, joliment emballé dans une feuille d'or, un petit bonbon qu'il croqua aussitôt. Bien élevé mais gourmand ce monsieur croco. C'est un crocodile vraiment très docile, un gentil croco bien comme il faut. Jamais de bêtises ce croco-là, bien élevé et tendre comme un nougat. La libellule dans sa bulle veut faire un grand voyage. La libellule dans sa bulle vole au-dessus des nuages. Voici sa première escale par un soleil matinal. Elle découvre émerveillée tous les arbres de la forêt. La libellule dans sa bulle veut faire un grand voyage. La libellule dans sa bulle vole au-dessus des nuages. Arrivée dans le désert où le ciel est découvert, elle espère partir bientôt car il fait beaucoup trop chaud. La libellule dans sa bulle veut faire un grand voyage. La libellule dans sa bulle vole au-dessus des nuages. Un petit tour dans l'espace où il y a tellement de place. Oui, mais en apesanteur, on se fait vite des frayeurs. La libellule dans sa bulle veut faire un grand voyage. La libellule dans sa bulle vole au-dessus des nuages. Tiens, une épave de bateau. Plus de matelots, bien plus profond qu'une rivière. La voilà au fond des mers. La libellule dans sa bulle veut faire un grand voyage. La libellule dans sa bulle vole au-dessus des nuages. Voici la fin du voyage, de ces jolis paysages. Sa petite rivière l'accueille, elle rentre heureuse sur sa Bonjour les amis, connaissez-vous bien tous les fruits? Et c'est parti! Mon préféré c'est l'abricot, de la bonne taille, juste comme il faut. La poire aussi me plaît beaucoup, et elle est belle comme un bijou. Maintenant, autour de la pêche, vide dans ma bouche, rien ne l'empêche. Et également une belle orange, je suis aux anges quand je la mange. Voici de délicieuses cerises, je les adore, c'est sans surprise. Une pomme verte se présente, c'est évident, oui, elle me tente. Voilà de bien belles clémentines, elles iraient bien dans ma cuisine. Banane, parlons-en, je vous assure, c'est succulent. La fraise me ravit bien aussi.
aussi, c'est un régal, je vous le dis. Et pourquoi pas un beau citron, un peu acide mais tellement bon. Une bonne framboise, ça se déguste, j'en veux une autre, c'est trop injuste. Bravo, vous connaissez maintenant tous les fruits. À bientôt. Bonjour les amis, connaissez-vous tous les positionnements? Apprenons-les ensemble. Qui est devant le pré? C'est le mouton tout égaré. Qui est à côté du chou? C'est le lapin qui fait le fou. Qui est sous la salade? Un ver de terre qui se balade. Qui est dans sa maison? C'est le cerf, il a bien raison. Qui est sur le rocher? C'est le crabe qui veut bronzer. Qui est entre deux fleurs? C'est l'escargot qui n'a pas peur. Et derrière le muret, le furet est très bien caché. Qui est à gauche du bout de pain? Une poule blanche qui a très faim. Qui est à droite du bout de pain? Une poule noire qui le mangerait bien. Bravo! Tu sais maintenant comment étaient positionnés tous ces animaux. À bientôt!
C'est alors que plus grand que lui, un gros poisson nage par ici. Petit coquin n'a même pas peur et tourne encore de bon cœur. Petit poisson fait tout le temps des petits ronds ou bien des grands. C'est tellement rigolo de faire des ronds dans l'eau. À toujours faire beaucoup de ronds, c'est maintenant un vrai champion. Il se lance un nouveau défi, faire des carrés, c'est parti. L'âne se disait, ah quelle drôle de tête!
se mit à sourire comme moi un peu bête et éclata de rire. Un âne qui ricanait pour un oui, pour un non. Un âne qui ricanait pour n'importe quelle raison. Là-haut dans le ciel, un bel oiseau volait, déployant ses ailes. L'âne le regardait. Si je volais aussi, en chantant i-an, ce serait moins joli, mais tellement amusant. Un âne qui ricanait pour un oui, pour un non. Un âne qui ricanait pour n'importe quelle raison. Devant un pommier, il sourit à grandes dents, si bien que les pommes pourraient en faire autant, riant de bon cœur. Joyeux, notre âne, toujours de bonne humeur, a vraiment la banane. Bonjour les amis. Aujourd'hui, apprenons à reconnaître les différents habits. Et allons-y. Je mets mon t-shirt s'il fait beau, et ça c'est vraiment rigolo. Moi, ma robe me va à merveille, je ressemble à une petite abeille. Mais si le soleil brille un peu fort, on met nos chapeaux quand on sort. Surtout n'oublions pas nos chaussures, pour sauter dans les flaques bien sûr. Ce matin j'ai mis mon pantalon, pour aller jouer au ballon. Ma sœur préfère les salopettes, c'est bien mieux pour faire des galipettes. S'il fait froid, je mets mon bonnet, et je ne vais pas m'enrhumer. Sans oublier mes gants, c'est certain, et je n'aurai pas froid aux mains. Protéger du vent. Mais vivement que le soleil ressorte, pour que je puisse remettre mon short. Et pour assortir à mes lunettes, je vais enfiler cette casquette. Mais ce que je préfère est de loin, c'est pouvoir mettre mon maillot de bain. Maintenant tous les habits. À très vite. Au pays des fourmis, il y en a une qui a une taille très originale. Aussi ses amis l'ont appelée ainsi. C'est qui cette fourmi-là? La fourmi qui est rikiki. Elle est comme les autres, seulement voilà, juste en bien plus petit. Quand sonne l'heure de midi, que toutes les fourmis d'une feuille de bambou découpent de petits bouts, la fourmi rikiki n'en mange qu'un tout petit. C'est qui cette fourmi-là? La fourmi qui est rikiki. Elle est comme les autres, seulement voilà, juste en bien plus petit. Quand toutes réunies, courageuses les fourmis transportent un bout de bois, elles ne se doutent pas que la mini-fourmi s'invite à leur sortie. C'est qui cette fourmi-là? La fourmi qui est rikiki. Elle est comme les autres, seulement voilà, juste en bien plus petit. La fourmi rikiki peut s'amuser aussi, quand un trou n'est pas grand, à se cacher dedans.
Elle seule peut y entrer, comment la retrouver? C'est qui cette fourmi là? La fourmi qui? Et Rikiki? Elle est comme les autres, seulement voilà, juste en bien plus petit. Un jour Madame Rikiki aura de jolis petits. Elle a bien décidé comment les appeler. Ils se nommeront ainsi les Super Rikiki. C'est qui ces petits-là? Les tout petits Super Rikiki. Leur taille n'est pas bien grande, mais ces petits-là sont tous super mimi. C'est l'été, venez vite jouer. C'est l'été, venez vous baigner. Le beau soleil brille enfin, les coccinelles volent sur nos mains. Les fleurs sont toutes colorées, on va pouvoir les arroser. C'est l'été, venez vite jouer. C'est l'été, venez vous baigner. Super, on peut jouer dans l'eau avec un tout petit bateau. Ou bien sauter, s'éclabousser, et ça nous fait bien rigoler. C'est l'été, venez vite jouer. C'est l'été, venez vous baigner. On fait aussi du vélo le matin, mais pas très tôt. Comme nos cahiers sont bien rangés, on profite de nos journées. C'est l'été, venez vite jouer. C'est l'été, venez vous baigner. Quand il fait vraiment trop chaud, on met toujours nos chapeaux. Surtout au bord de la mer, c'est l'endroit que l'on préfère. C'est l'été, venez vite jouer. C'est l'été, venez vous baigner. Pas que ça s'arrête, les vacances c'est vraiment chouette. C'est l'été, venez vite jouer. C'est l'été, venez vous baigner. Bonjour les amis, connaissez-vous les mois de l'année? Apprenons-les ensemble. Le premier mois, c'est janvier. Et comme il fait vraiment froid, on doit mettre son bonnet. Puis vient le mois de février. Il y a de la neige partout, alors on va parfois skier. Le mois de mars maintenant, on commence à voir des fleurs, c'est le début du printemps. Au mois d'avril, que voilà, dans mon très joli jardin, je cherche des œufs en chocolat. Voici enfin le mois de mai, je l'ai attendu longtemps, ce fameux mois du muguet. Le mois de juin est magique, j'entends de beaux instruments, car c'est la fête de la musique. Voici le mois juillet, je peux ranger mon cartable et partir me promener. Le mois d'août est sans nuages, je pense à mettre mon chapeau pour pouvoir jouer à la plage. Septembre est vite arrivé, je vais reprendre mon cartable car c'est déjà la rentrée. Octobre fait parfois trembler, car c'est le mois des citrouilles, des sorcières et des araignées. Et puis le mois de novembre, dehors il y a de la pluie, je préfère lire dans ma chambre. Décembre est sûrement le plus beau, car je décore mon sapin et je découvre mes cadeaux. Bravo,
Vous connaissez maintenant tous les mois de l'année. À très vite! Les feuilles des arbres se colorent de couleur rouge, jaune et or. Il faudra vite les ramasser lorsqu'elles se mettront. Sous le préau, les animaux se mettent à l'abri. Le ciel devient un peu plus gris et le soleil nous abandonne. Sans aucun doute, voici l'automne. C'est la saison pour récolter tous les légumes du potager pour un repas bien réussi. Sont joliment remplis de champignons marrons et gris. On va pouvoir bien s'amuser en allant tous les ramasser. Les animaux se mettent à l'abri. Le ciel devient un peu plus gris et le soleil nous abandonne. Sans aucun doute, voici l'automne. Sortent moins, ils se blottissent dans le foin et préfèrent rester bien au chaud car l'hiver arrive bientôt. Les animaux se mettent à l'abri. Le ciel devient un peu plus gris et le soleil nous abandonne. Sans aucun doute, voici l'automne. Se reposer.
Bonjour les amis. Et si nous apprenions ensemble les contraires? Allons-y. Voici un arbre tout petit, pourtant pas si riquiqui. Cet arbre, lui, est bien plus grand, on dirait presque un géant. Tout en bas de l'escalier, le facteur porte le courrier. Et en haut de l'escalier, un petit homme qui l'attendait. Si je veux un objet léger, je prends une plume et c'est gagné. Si je veux un objet lourd, je prends un très gros tambour. Et quand nous sommes en plein jour, je vois bien les alentours. Mais quand arrive la nuit, la lumière se réduit. Je suis assis, c'est bien plus pratique quand j'écris. Mon papa, lui, est debout, il surveille mon doudou. Un crayon bleu dans mes mains, je fais un joli trait fin. Mais si je prends une craie, ce trait deviendra épais. Je suis triste, que mon gros chagrin persiste. Je pense alors au beau temps, et je redeviens content. Ici la porte est fermée, je me demande qui est caché. Maintenant qu'elle est ouverte, j'aperçois une grenouille verte. Il fait très froid, c'est surtout la neige que l'on voit. Mais en été il fait très chaud, on peut se baigner dans l'eau. Bravo, tu connais maintenant tous les contraires. À bientôt. Se promener, si et là un peu hébétée. Dans la ville et parmi les gens, elle s'est perdue. Pourquoi, comment? La petite poulette s'était faite coquette, voulait elle aussi être de la fête. Partie toute seule, notre jolie poule, maladroite s'est retrouvée dans la foule. Personne ne semble l'apercevoir, mais ainsi à l'abri des histoires. Si des chiens devaient la croiser et voulaient en faire leur dîner. La petite poulette s'était faite coquette, voulait elle aussi être de la fête. Partie toute seule, notre jolie poule, maladroite s'est retrouvée dans la foule. Il faut aussi être prudente, car dans la parade bruyante, les humains sont parfois pâteaux et laissent tomber leur chapeau. La petite poulette s'était faite coquette, voulait elle aussi être de la fête. Partie toute seule, notre jolie poule, maladroite s'est retrouvée dans la foule. Notre cocotte se promenant en ville se trouve bien finalement. Quand tombe un beau morceau de pain, c'est bon de perdre son chemin. La souris qui s'enfuit, elle est où? Elle est ici.
car à l'araignée je vais la semer. Là où le hibou m'attraperait le cou. Maintenant la pie, vite vite je m'enfuis. C'est la souris qui s'enfuit. Elle est où? Elle est ici. C'est la souris qui s'enfuit et veut à tout prix éviter les ennuis. La petite souris cherche un bel abri, mignon et douillet pour s'y cacher. Juste par ici, dans ce joli puits, un petit élan, elle s'arrête devant. Elle ne peut y voir, il est bien trop noir et bien trop profond, vite vers la maison. C'est la souris qui s'enfuit. Elle est où? Elle est ici. C'est la souris qui s'enfuit et veut à tout prix éviter les ennuis. Ses péripéties l'ont mise en appétit. Le ventre qui gargouille, elle part en vadrouille. Il faut du courage pour ce bout de fromage. Il est bien gardé, mais elle va ruser. Bondissant ainsi en catimini, à elle le butin et le tout festin. Mais quel est ce bruit? Vite, vite, elle s'enfuit. Bonjour les amis, connaissez-vous bien tous les légumes? Et c'est parti! Je commence par le radis, il est superbe et tout petit. Lorsque je mange un chou-fleur, je vous l'assure, c'est un bonheur. Voici un bel artichaut, en vinaigrette, c'est ce qu'il faut. Une aubergine, c'est délicieux.
Bonjour les amis, vous connaissez tous les chiffres? Apprenons-les ensemble. D'abord il y a le 1, voici un lapin. Puis le 2 arrive aussi, voilà une et deux souris. Maintenant c'est le 3, voici un 2 et 3 rois. Le 4 vient par ici, 1, 2, 3 et 4 puits. Le 5, comme on le nomme, 1, 2, 3, 4 et 5 pommes. Le 6 n'a pas peur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fleurs. C'est au tour du 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fourchettes. Puis le 8, voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doigts. C'est le 9, il est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 fourmis. Le 1 et le 0 font le 10, voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, tu connais maintenant tous les chiffres. À très vite. Si nous apprenions l'alphabet ensemble, écoute bien et chante avec nous. A comme arc-en-ciel, B comme bateau, C comme citrouille, T comme drapeau, E comme escargot, F comme fourmi, G comme guitare, H comme hibou, I comme image, J comme jardin, K comme kayak, L comme lunette, comme moulin, N comme niche, O comme oiseau, P comme panier, Q comme quille, R comme roi, S comme souris, T comme tortue, U comme usine, V comme vélo, W comme wagon, xylophone, Y comme yo-yo, Z comme zèbre. Bravo, tu connais maintenant toutes les lettres de l'alphabet. À bientôt les amis. Voilà mon beau ballon bleu, avec lui je suis...
dormira dans mes bras. Oui, demain c'est la rentrée, je ne veux rien oublier. Et même si j'ai un peu le trac, comme un grand je prépare mon sac. Aujourd'hui c'est particulier, tout le monde est déguisé. De belles histoires je m'imagine, car c'est la fête d'Halloween. J'aimerais voir des araignées, des sorcières sur leur balai. Et pour qu'elles aient aussi la trouille, je décore une citrouille. Ma belle citrouille, oh ma belle citrouille, que tu es belle. Les chauves-souris m'escortent, devant moi quelques fantômes, la nuit est leur royaume. Je les vois se rapprocher, ils veulent m'impressionner. Pour éviter qu'ils me chatouillent, je me cache sous ma citrouille. Ma belle citrouille, oh ma belle citrouille, que tu es belle, bien décorée. Ma belle citrouille, belle citrouille, merci de bien me protéger. Mais qui arrive devant mon nez, voilà c'était l'araignée. Et plus impressionnant peut-être dehors par la fenêtre, une sorcière sur son balai qui veut me transformer en crapaud ou en grenouille. Heureusement j'ai ma citrouille. Citrouille, que tu es belle, bien décorée. Ma belle citrouille, oh ma belle citrouille, tu m'as vraiment bien protégée. C'est une petite grenouille qui depuis son nénuphar aime sauter dans l'eau qui mouille et barboter dans la mare. Petite grenouille adore être mouillée. Petite grenouille, oui c'est son jeu préféré. Devant un seau d'eau tout plein et sans prendre son élan, elle saute comme dans un bassin ou bien même un océan. Petite grenouille adore être mouillée. Petite grenouille, elle ne peut y résister. C'est encore plus rigolo de sauter dans la fontaine, car avec le petit bateau, elle s'imagine capitaine. Petite grenouille adore être mouillée. Petite grenouille, oui c'est son jeu préféré. Maintenant sur le sable fin, elle s'élance et fait un bond. La voici avec ses copains dans l'eau parmi les poissons. Petite grenouille adore être mouillée. Petite grenouille, elle ne peut y résister. Mais c'est surtout lorsqu'il pleut qu'elle trouve cela amusant. Elle peut faire tout ce qu'elle veut en restant mouillée tout le temps. Petite grenouille adore être mouillée. Petite grenouille, oui c'est son jeu préféré. Une souris qui se promenait tranquillement voit tout à coup arriver par surprise le furet, son ami, qui accourt et qui lui sourit. Qui se cache par ici? C'est bien lui. Qui
apparaîtra par là, c'est celui-là. C'est le furet qui aime se cacher. La tortue fatiguée se repose. Quand un petit bout de nez tout rond et tout rose, derrière la tortue apparaît. Qui est là? C'est son copain le furet. Qui se cache par ici? C'est bien lui. Qui apparaîtra par là? C'est celui-là. C'est le furet qui aime se cacher. Quand la caille est couchée dans les blés, à son tour, elle ne peut imaginer que le petit furet n'est pas loin pour bondir comme un coquin. Qui se cache par ici, c'est bien lui. Qui apparaîtra par là, c'est celui-là. C'est le furet qui aime se cacher. Monsieur Hibou qui s'était endormi se trouvait être lui aussi bien surpris. Quand soudain, caché derrière les feuilles, le furet lui fait un petit clin d'œil. Qui se cache par ici, c'est bien lui. Qui apparaîtra par là, c'est celui-là. C'est le furet qui aime se cacher. Mais parfois, et sans s'y attendre, le furet peut lui-même se faire surprendre par un ami encore plus malin, qui n'est autre que le lapin. Qui se cache par ici, c'est bien lui. Qui apparaîtra par là, c'est celui-là. C'est le furet qui aime se cacher. Les feuilles des arbres sont tombées,
les cheminées sont allumées. Mais que fait donc la nature? A-t-elle besoin d'une couverture? En hiver, tout est recouvert par la neige toute blanche du lundi au dimanche. Le froid est maintenant installé, la fontaine est toute gelée, la roue du moulin ne tourne plus, la glace autour est apparue. En hiver, tout est recouvert par la neige toute blanche du lundi au dimanche. Maman prépare des gâteaux pour un goûter bien au chaud. Restons devant la cheminée, jouons au jeu de société. En hiver, tout est recouvert par la neige toute blanche du lundi au dimanche. On installe un grand sapin que l'on décore de bon matin. Par la fenêtre, je peux contempler mon bonhomme de neige habillé. En hiver, tout est recouvert par la neige toute blanche du lundi au dimanche. Comme il a beaucoup neigé, on va pouvoir aller skier et monter sur les télésièges. On se croirait sur un manège. En hiver, tout est recouvert par la neige toute blanche du lundi au dimanche. Et la couleur rose.
Tu connais maintenant toutes les couleurs. À très vite! Bonjour les amis. Connaissez-vous bien la météo? Apprenons cela ensemble. Quand le très beau soleil brille, on peut sortir les espadrilles. Mais quand il y a de la pluie, tout le monde reste chez lui. Quand on aperçoit un orage, on se méfie bien du naufrage. Et quand parfois souffle le vent, le moulin tourne rapidement. Quand la neige est enfin tombée, on peut alors aller skier. Quand sur la route vient le brouillard, il faut vite allumer les phares. Quand les nuages vont arriver, la lumière va bien diminuer. Et enfin, quand viennent la pluie et le soleil, cela donne un bel arc-en-ciel. Bravo, vous pouvez maintenant dire quel temps il fait. À très vite. Tranquillement, c'est le printemps. On arrange
repère le printemps. Dans le ciel, le plus bel arc-en-ciel.